plaisir technique et esprit de cohésion, parce qu'on est, on est quand même à 3 à se répartir un terrain, donc je pense qu'il y a de la cohésion aussi à avoir important. Olivier Faubert, ancien joueur professionnel, passé par Bordeaux, West Ham, le Real de Madrid, Cannes. L'ancien milieu de terrain de l'équipe de France était aujourd'hui présent à la deuxième édition de l'Esterel Footnet Cup à Saint-Raphaël. Devenu entraîneur, Julien Faubert nous donne de ses nouvelles et nous partage son plaisir de pratiquer le footnet, une discipline dont le développement est soutenu par la FFF. Écoute, moi je suis entraîneur ici à Fréjus Saint-Raphaël, j'étais adjoint avec la N2 et maintenant je suis passé responsable de la réserve avec les U18 et en parallèle je passe aussi mes diplômes d'entraîneur, le DES à Clairefontaine cette année pour continuer dans le football et dans ce que j'aime faire tout simplement. Et aujourd'hui tu découvres le footnet ou pas? Pas réellement, on l'a joué en étant joueur pendant des phases de récupération, des choses comme ça, mais de cette manière là oui, on découvre un peu plus les règles exactes, on réalise aussi que ça prend énormément d'ampleur, découvrir d'un point de vue plus professionnel, oui. Il y a l'aspect technique, il y a un gros aspect technique à faire valoir, on doit être bon sur les passes, bon sur les remises, bon sur l'attaque, ça tape un peu au niveau du cardio parce que c'est beaucoup de petits pas, donc c'est assez complet et je pense que ça reste quand même accessible à tout le monde. Et on s'éclate surtout, on prend énormément de plaisir. Pour les jeunes aussi, c'est important. Je pense que c'est important, ça peut être aussi un travail en parallèle d'un point de vue technique, ils peuvent travailler à ce niveau-là aussi. Moi j'en faisais pas mal en tant qu'entraîneur quand j'avais les U17 parce que ça lie un peu tout, ça aussi, il faut de la coordination entre les joueurs, entre les trois joueurs, il faut observer ce qui se passe, combler les espaces libres aussi, donc ça fait partie aussi d'un parallèle qu'on peut faire avec le football. Ouais, il y a des gestes spécifiques aussi? Oui, la volée, les services que j'ai pas encore maîtrisés, mais on arrive à faire de belles choses et à s'éclater surtout. Il y a aussi un petit esprit de compétition? Absolument, moi je suis un compétiteur, je voulais gagner, je veux gagner, je veux toujours gagner. Et quand on est dans une compétition comme ça, que ce soit amicale ou pas, on a envie de gagner. Donc oui, il y a l'esprit de compétition et d'avoir une équipe en face, voilà, c'est de battre l'adversaire quoi qu'il arrive.